Salutations amis gameuses et amis gamers, c'est Lia là pour une nouvelle vidéo présentation sur The Amazing Spider-Man, un jeu sorti le 29 juin 2012 à peu près sur toutes les plateformes, hein. C'est un jeu multiplateforme. Il est développé par Binox Studio et édité par Activision. C'est un action aventure infiltration dans un monde ouvert, hein, qui est Manhattan. Donc voilà, c'est un jeu tiré du film The Amazing Spider-Man sorti une semaine après la sortie du jeu, c'est-à-dire le 5 juillet 2012, que je suis allé voir avant de partir en vacances. Et oui, j'adore Spider-Man, Spidey c'est mon pote. Spidey c'est un de mes héros préférés, Spidey c'est le meilleur avec Iron Man. Donc voilà, pour l'instant, on va s'occuper d'abord du S-01, un robot de combat, le nouveau joujou de Oscorp. Allez hop, c'est parti. Donc ce que je vous propose dans cette présentation, c'est d'abord qu'on s'occupe de ce robot géant. Et ensuite, allez, attention, il faut rester concentré. Et ensuite, on va faire une petite mission pour parler un peu du gameplay, du graphisme du jeu. Et pour finir, on va... Attention, il faut se concentrer, hein, on est Spider-Man. On doit sauver notre ville, on doit protéger la ville. Et comme ça, la ville nous protégera par la suite. Au cas où, si on déconne. Allez, envoie-moi un missile, je vais vous montrer une jolie esquive, là. Allez, petite musique assez épique, hein, franchement. Esquive, on esquive le missile, mais que c'est joli. Spidey, t'es trop top. Belle animation, hein. Hop, on attaque, et voilà. C'est comme ça qu'on s'appelle Spider-Man. On combat pour protéger. Oh là là, attention. Esquive. Voilà, vas-y Spidey, hop, on ralentit un peu le temps là, on va se déplacer un peu partout. Donc oui, après on finira par une petite balade dans Manhattan, hein, histoire de voir un peu la ville, comment elle est modélisée. Donc voilà, donc j'ai dit, moi je suis un très grand fan de Spider-Man. J'ai joué le dernier Spider-Man que j'ai joué, on va lui éclater l'œil d'abord, saloperie. Le dernier Spider-Man que j'ai joué, c'est le Dimension. Que j'ai apprécié, hein. Franchement, les dimensions étant cel shading, j'adore le cel shading, donc j'ai vraiment apprécié. En plus, le fait de pouvoir passer d'une époque à une autre, hein. Spider-Man du futur, Spider-Man du présent, Spider-Man du passé, 1920, qui a un gameplay beaucoup plus infiltration. Franchement, c'était un super bon jeu, moi je trouve. Après, ah, j'ai touché le sol, non. Spider-Man ne touche jamais le sol quand il combat. C'est pas grave, bon. Oula, ouh. Des missiles. Allez, on voit tes missiles. Voilà. On esquive le missile, magnifique. Alors, on se croirait vraiment dans le film ou dans le dessin animé, hein. Allez, monte tes yeux. Saloperie. Donc, je suis allé voir le film, j'adore le film. Sans tous les films de Spider-Man, c'est au top. Celui-là, franchement, celui-là, est... C'est un joli renouveau parce que le Spider-Man est beaucoup plus acrobatique, beaucoup plus vif. Il fait des trucs spectaculaires, donc comme le spectaculaire Spider-Man. Il est beaucoup plus vivace, quoi. Il est araigné, quoi. Parce que dans les autres films, bon, dans le 1 et 2 et le 3 de Sam Raimi, je crois. Bon, le Spider-Man, il est top et tout, mais si vous voulez, il est statique. Dans tous les mouvements qu'il fait, ce sont des mouvements... pas très très acrobatique, alors que dans le film, dans le dernier là, The Amazing, il est vraiment amazing, quoi. Il est amazing et même awesome. Après, bon, il va peut-être pas, le film il a peut-être pas plu à tout le monde, mais moi pour moi ça m'a fait plaisir.
Allez, on s'occupe de ses pattes là avec notre toile. Hop, hop, voilà. On le stabilise, on l'empêche d'avancer. Voilà, et c'est terminé mon pote, c'est fini. Voilà, petite blague, hein. Dernière volonté avant que je t'envoie à la casse. Spider-Man, il a trop la classe, il est trop marrant, il est trop au top. Franchement, c'est un super-héros qui a trop d'atouts. Voilà. Voilà, c'est terminé. Je vais s'occuper de ce machin comme un vrai super-héros. Comme le disait l'oncle Ben, hein. Des grands pouvoirs impliquent des grandes responsabilités. Donc j'ai pris mes responsabilités et je me suis occupé du nouveau joujou de la Oscorp. Donc voilà, donc je vous parlais un peu de l'histoire là. En gros, qu'est-ce que c'est? Ce qui est pas mal dans ce jeu là, c'est qu'on reprend pas le scénario du film. On continue après le film en s'appuyant sur les comics. Ça c'est sympa. Donc voilà, mais on reprend les personnages du film quand même. Donc avec Gwen Stacy, hein, que vous connaissez. Bon, graphiquement, elle est pas top top, hein. Elle est pas super bien modélisée, mais bon, on la reconnaît, c'est le principal. Donc voilà. Et Spider-Man, bah Spider-Man, comme d'habitude, il est super beau, super bien modélisé. Regardez-moi ces petits détails sur sa tenue. Oh, mais c'est Spidey, quoi. On sait que c'est lui, on sait que c'est sa tenue. En parlant de tenue, voilà sa garde-robe, hein. Dans le jeu, donc on débloque plusieurs tenues différentes. Là, il m'en manque deux ou trois, je crois. La skin de comment il s'appelle déjà? Oula, Spike Lee, je crois. Oula là, j'ai oublié comment il s'appelle. Oh, honte à moi. Spike Lee, je crois, c'est ça. Bah, de Monsieur Lee, voilà. Donc on a le costume par défaut, le costume de Spider-Man, le rouge, hein. Et bleu du dernier film. On a droit au costume classique aussi, hein, des trois derniers films, des films de Sam Raimi. Donc on a droit au costume avec ceinture, le costume araignée mutant. Ça se passe plus dans l'anime et dans les comics. Scarlet Spider, c'est dans les comics. Costume noir classique, donc c'est dans le dernier Spider-Man, aussi dans les comics et dans l'anime. Pareil ici, comics, donc voilà. Donc on a droit à plusieurs costumes, ça c'est sympathique, donc on peut changer de garde-robe et on peut se faire plaisir. Parce qu'on n'aime peut-être pas tous les mêmes costumes, hein. Voilà, donc il manque le costume classique que j'aurais aimé avoir. Et le costume où il a la cagoule, il est bien en catcheur, où il est bien en civil avec une cagoule en fait. Donc mon costume préféré, c'est le costume noir classique, hein, celui où il y a le symbiote dans le costume, quoi, le Venom. Donc voilà. Alors moi, ce que j'aurais apprécié en fait, ce qu'ils auraient pu faire Binox Studio, c'est peut-être un peu trop demandé, mais c'est de mettre un atout particulier à chaque costume. Par exemple, le costume noir, on sait que dans le film, en fait, il devient beaucoup plus agressif. Spider-Man, il est beaucoup plus bad, il est beaucoup plus méchant. Et j'aurais mieux en fait qu'ils mettent, qu'il renforce en fait Spider-Man, quand on met ce costume, il soit beaucoup plus fort que quand il a le costume normal. Dans le film, on voit dans une scène où quand il se réveille sous le building et que la police lui tire dessus, on voit que le costume lui sauve la vie en s'échappant, même dans le dessin animé, dans l'anime aussi, hein. Donc voilà, j'aurais aimé avoir des petits atouts comme ça, hein. Pareil pour le costume Future Foundation, c'est le costume du futur, donc j'aurais aimé soit avoir la possibilité d'avancer le temps, soit de le ralentir, pareil, une zone négative, inverser le cours du temps, des trucs comme ça, ça aurait été assez sympathique pour l'aventure du jeu, mais bon, j'ai pas eu droit à ça, j'ai espéré, mais voilà, il y avait pas, c'est pas très grave. Donc le jeu, comme j'ai dit, il est sorti le 29 juin 2012, une semaine avant le film, un bon coup marketing, hein. Donc là, on va faire une mission comme ça, pépère, après on ira... Bon, moi, j'ai terminé le jeu à 100%, hein. J'ai terminé toutes les missions à 100%. Ne regardez pas si vous voulez pas être spoilé, hein. Donc, on a des missions principales et des missions annexes. Donc, voilà, de quoi se faire un peu plaisir. Le jeu est assez court, hein. J'ai terminé en moins de 12 heures en super-héros, la difficulté la plus élevée. C'est comme ça qu'on apprécie un jeu, moi, je trouve, hein. Personnellement, en plus, c'est un jeu action-aventure dans un monde ouvert. Donc autant c'est comme les Infamous, tout ça, autant le terminer en difficulté plus élevée, parce qu'une fois que votre personnage est boosté, bah il est quasiment invincible, vous pouvez faire un peu n'importe quoi. Et voilà, donc c'est plus intéressant, parce qu'en fait si vous jouez en normal, puisque j'ai joué quand j'ai terminé le jeu, j'ai joué en normal vite fait pour voir ce que ça faisait.
Wow, vous pouvez faire n'importe quoi, quoi. C'est voilà. Alors que si vous jouez, oulala, regardez pas, on va aller à la tour au score, voilà, hop, on va aller ici. Et alors que si vous jouez en super-héros, le mode de difficulté le plus élevé, vous êtes obligé de d'être en mode infiltration et c'est beaucoup plus jouissif. Voilà, on est en mode infiltration parce que une balle, deux balles, trois balles, c'est terminé, ça fait très mal. Parce qu'une fois que vous êtes repéré, les mecs ils vous enchaînent et ça arrête pas. Voilà. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, je parlais des costumes, ce que je regrettais. Ah ouais, il y a un truc aussi. Donc Je suis là, voilà. Gwen, mais j'ai l'antidote avec moi. Je vais vous montrer un peu. On a droit à un smartphone, hein, le osphone. Donc on a droit à une carte, une carte, hein. Donc voilà, mais là comme on est à l'intérieur, dans un environnement enfermé, donc on n'a pas droit, on n'a pas de map, mais on a les objectifs de la mission. Comme là on devait prendre trois photos, donc on a un appareil photo parce qu'il faut pas oublier que Peter Parker c'est un journaliste, hein, il travaille au Daily Bugle, même si dans le jeu ça se ressent pas trop, et dans le film non plus, parce que non, il travaille pas au Daily Bugle dans le film. Pas encore, peut-être dans The Amazing Spider-Man 2, on sait pas. Donc voilà, donc on a des preuves au jeu, hein, pour suivre un peu l'histoire. Donc après on a les magazines, les manuels du secrétaire de Scorp et les éléments techniques. Voilà, après on a les mails, hein, qui font avancer dans le jeu. Donc elle là en fait c'est des mails qu'on envoie à une journaliste qui s'appelle Whitney Chang. Et avec elle en fait c'est elle où on lui prend son appareil photo. Assez tôt dans le jeu, hein. Et avec cet appareil photo on doit prendre des photos pour elle sur les ennemis. Et sur d'autres choses du décor afin de débloquer des croquis, des bonus et des biographies sur les ennemis du jeu. Voilà, ça c'est sympathique. Après donc après on a les mails pour les missions principales et missions secondaires. Donc donc là on a aussi un mail de Tante May qui est super jeune, hein. Voilà, c'est Stan Smith, voilà. Oh la vache. Voilà. Voilà, donc pour tout à l'heure, hein, j'avais oublié, c'était Stan Smith. Peut-être tu dis Stan Smith, je sais plus, j'en sais rien, c'est pas grave, parce que Spidey il est trop cool. Donc après là on a droit aux améliorations de personnages, hein. Voilà, bon, il y en a plusieurs, c'est assez sympathique. Voilà, on débloque avec les points d'expérience. En fait, si vous battez, est-ce que j'ai expliqué l'histoire? C'est quoi l'histoire? Ah, j'ai pas parlé d'histoire, donc je vais parler vite fait de l'histoire. Donc l'histoire c'est quoi? C'est juste après le film, hein. Il y a un nouveau scientifique qui est engagé par la House Corp. Il s'appelle Smythe, c'est Dr. Smythe. Donc c'est le celui rival intellectuel du Dr. Connors. Mais lui, il est beaucoup plus spécialisé dans le la nano la nano, je sais plus quoi. Les nanorobots, voilà. Donc lui, en fait, son but, c'est de éradiquer tous les mutants. En fait. Dans celui-là, Oscorp a continué les recherches du docteur Connors sur la mutation. Attendez, hop, on va jouer un petit peu, je vais parler en jouant, puisque si je reste sur le menu, c'est pas très très intéressant. Donc le docteur Connors, ils ont continué, les scientifiques de Oscorp ont continué les recherches sur le virus du docteur le virus de mutation du docteur Connors, et en fait ils ont appliqué ça sur les animaux. Ils ont pris de l'ADN d'humain, puis je me suis fait opérer, c'est bon, allez hop. On utilise sa toile de retrait rapide. Donc pour esquiver les ennemis et pour se mettre dans un coin pour se dégager. C'est un truc qui n'est pas anodin parce que ça vous sert énormément aux super-héros. Parce que ça vous sert à vous échapper assez rapidement des ennemis sans vous faire remarquer. Et c'est assez sympathique, quoi. Donc je disais, donc les scientifiques ont continué leur recherche sur... Ah, nom de Dieu. Ouais, Spider-Man est allergique aux plantes là, dégueulasse. Oh, c'est dégueulasse. Ok, je fais n'importe quoi, c'est pas grave, c'est pour la vidéo. Oui, je vais venir me battre, mais t'inquiète pour l'instant. On discute un peu. Donc ça, j'ai la possibilité d'aller faire du corps à corps, ou soit de faire comme je fais des éliminations furtives, ou d'utiliser un élément du décor. Où est-tu l'élément du décor? Il y en avait un là tout à l'heure. Je sais plus, c'est pas grave. Donc là, la vision que j'utilise là, c'est la vision de interagir, voilà. C'est la vision de l'araignée, hein. Ça permet, oula, il l'a fait autre part. Ça permet de ralentir le temps. Et... Oh la petit combo, belle animation du Spidey, voilà, élimination directe de l'ennemi, hein. J'ai tout à fond, donc
c'est un peu normal que je les élimine assez rapidement. Donc voilà ce que je disais d'autre. Ouais, donc ils ont continué les recherches et ils ont mis de l'ADN humain dans des animaux, dans des scorpions, dans des rats et tout, ce qui fait qu'ils ont muté en forme humanoïde. Ce qui fait ils sont devenus beaucoup plus intelligents. Et voilà. Et Gwen Stacy, en fait, c'est l'assistante, la nouvelle assistante de du docteur Smythe. Et elle propose à Peter Parker de venir voir les recherches technologiques sur la nanotechnologie que fait Smythe. Et en fait, il croise Spidey. Hop, on va esquiver l'attaque. Oh, c'est sympa ça. Hop. Spidey, il croise un mutant. Et si vous voulez, comme le mutant. Comme Spidey aussi, c'est un mutant, donc il y a eu une réaction entre leurs gènes, et ils sont devenus complètement fous, et ils sont commencé à se débattre pour se libérer, puisqu'ils étaient mis dans des containers, des trucs comme ça. Et voilà, donc c'est comme ça qu'elle commence l'histoire. Et pour éradiquer, en fait, les mutants. Oula, je me bats assez mal là. Pour éradiquer les mutants, il y a le Alistair Smythe, le docteur Alistair Smythe, qui propose de les éliminer, voilà, avec sa nanotechnologie. Donc c'est comme ça que commence l'histoire, en fait. Et vous, bah, vous êtes dans ce bordel et vous devez sauver la ville, parce qu'en fait les mutants ils s'échappent, et en fait dès qu'ils mordent quelqu'un, cette personne commence à muter, quoi. Voilà, donc là vous pouvez voir au sol hein, des scientifiques qui ont muté à cause du virus, à cause de ce virus-là. Donc voilà, vous avez vu hein, les animations de combat assez sympathiques de Spider-Man. Donc écran classique maintenant dans les jeux, hein, quand on est touché, l'écran il devient tout rouge. Enfin, ça vient de Call of, hein. Donc voilà, Call of Duty 4. Donc ce qui est assez sympathique, c'est qu'on a un intérieur, on a plusieurs mouvements. Par exemple là, je peux me balancer, et en appuyant sur L2, je peux remonter comme ça, faire au montant en même temps que me balancer. C'est assez sympathique. Donc là, on va partir, on va monter. Donc voilà, l'histoire commence comme ça et on est Spider-Man. Comme Spider-Man, c'est Spider-Man. Comme des grands pouvoirs impliquent des grandes responsabilités. Donc vu que c'est à cause de nous que ces machins se sont échappés. Et un peu la faute de Connor, c'est à cause de ses recherches. Mais c'est pas très très grave à ce niveau-là. On doit protéger la ville, on doit sauver nos habitants. Puisque c'est notre métier. Donc voilà, on part pour désinfecter la ville. Et puis voilà, c'est comme ça qu'elle commence l'histoire. Et Alistair, ce salopard, a créé, n'est pas vraiment intéressé qu'aux nanorobots. Il a créé des grosses bestioles, hein, comme le gros boss que j'ai battu au début, là. Le S01. Donc voilà, les combats de boss... Bon, allez, hop. Voilà, comme je disais, retrait de toile, hop, on se met dans un coin et on attend. Les combats de boss sont immenses, sont énormes, franchement. Par contre, bon, 80%, 95%, voire la totalité du jeu se fait quasiment en intérieur. Voilà, tornade de toile. Il n'y avait pas d'ennemis à côté, bah c'est pas grave. Et voilà, j'étais touché, retrait de toile, voilà, on se met comme ça. On se cache. Ce que j'aime bien regarder avec Spider-Man, on peut aller partout, hein. Une vraie araignée. Aller sous le plafond, on peut se mettre comme ça. Ce que je trouve dommage aussi, en parlant du gameplay, là, un petit peu, c'est qu'on peut pas se suspendre à sa toile et se mettre la tête à l'envers. Ça, c'est dommage. On peut pas... Comme quoi, il fait l'illumination, là, il descend, en fait, avec sa toile, il fait l'ascenseur avec sa toile. On peut pas faire ça comme ça manuellement quand on veut, c'est dommage. Alors que dans un des Spider-Man, on pouvait le faire. Je sais plus lequel. Mais on pouvait le faire. Donc voilà, il envoie ses robots là, ses robots géants, et on doit s'occuper de ça. Alors, comment il a fait qu'on va... Donc les robots, les combats de boss là, les robots sont immenses. Ils sont à l'extérieur de la ville, mais c'est un truc de taré quoi, c'est psychopathe. C'est super beau. Quoi. Super impressionnant. Bon, vous pouvez voir, graphiquement, le jeu, bon, c'est pas du graphisme de psychopathe, hein. C'est pas un truc qui va vous cramer les yeux, la rétine, tout ça. Et par contre, c'est assez agréable à voir, c'est assez joli, hein, franchement. C'est pas dérangeant à jouer. Vous voyez les animations de Spider-Man qui sont super animées, super fidèles. Et ça ressemble assez au film.
Par contre, la réalisation du Spider-Man est magnifique, hein, vous voyez son costume. Voilà, j'ai été touché par des balles, les costumes qui sont qui se déchirent à cause des balles. Pff, l'animation du Spidey, c'est un truc de psychopathe, franchement. De toute façon, on regarde pas, quand on joue au jeu, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on regarde pas vraiment ce qui se passe autour. On regarde plutôt son Spider-Man, quoi. Donc voilà. Dans le jeu, on voit pas la tête de Peter Parker, hein, je l'ai peut-être déjà dit. On est plutôt dans la peau de Spider-Man, voilà. Hop. Voilà, donc j'ai parlé de l'histoire, j'ai parlé d'Alistair Smythe. Du Dr. Connors, regardez ça. Les griffures, là. Donc là, en fait... Retourne-toi. Là, en fait, on devait prendre des photos. Non, là, je peux pas prendre mon appareil photo. Mais on doit prendre des photos des traces... des mutants, en fait. Comment il s'appelle, Whitney Chang. Donc voilà. Donc là, on va se faire attaquer par Scorpion. Pas Scorpion de Mortal Kombat, mais Scorpion de... Voilà. Le mutant. Voilà. Donc il y a une petite phase comme ça. Il y a des petites phases de recherche, d'infiltration, de bourrinage. Mais moi, j'ai fait tout le jeu quasiment d'infiltration parce que... Là, j'ai tout amélioré dans le jeu. Donc, il n'y a pas vraiment de soucis à ce niveau-là. Mais quand vous commencez le jeu en super-héros et que vous êtes le simple Spidey, bah, ça fait très très mal les attaques. Les attaques font très très mal. Donc, voilà. Donc, comme je disais, on devait prendre des photos, des choses comme ça pour débloquer des choses. J'avais pas fini de présenter ce menu. Donc, en haut, en fait, vous voyez tout en bas. Il y a la liste déroulante, une liste. Donc vous avez à côté le point d'expérience où il y a écrit 0 et exp. En fait ça, donc on gagne des points d'expérience en terminant les chapitres, hein, en battant des ennemis mutants et humanoïdes. Et on gagne des points technologiques, des points tech, en battant des robots de Scorp et en trouvant des éléments techniques. Les éléments techniques chez Oscorp, pour ensuite s'améliorer ici avec le personnage, comme j'ai dit, voilà, plusieurs améliorations possibles. Donc on devient surpuissant. Ils auraient pu en mettre un peu plus quand même, hein, 3 ou 4 en plus, ça aurait été pas mal quand même. Parce que là, en fait, le souci, c'est qu'on finit le jeu, on gagne encore des points d'expérience, et on peut rien faire avec ces points d'expérience. Et c'est assez dommage, j'aurais aimé débloquer des trucs assez puissants, quoi, quand même. Un peu plus puissants, des petits, je sais pas, des petits gadgets comme ça, trucs sympathiques. Après, on a l'amélioration technique, hein, c'est ça, donc améliorer sa toile, puisque Spider-Man, à la base, ne fait pas tout seul ses toiles, comme dans les films de Sam, je sais plus qui, hein, j'ai déjà dit plusieurs fois. À la base, il fait pas ses toiles d'araignée tout seul, en fait, c'est un mec super intelligent, il crée ses toiles, hein, il fait des cartouches, et voilà, et là, on peut les améliorer, en fait, dans le jeu, voilà. Donc pareil, là, je gagne des points tech, mais je peux pas les utiliser parce que je suis déjà à fond. Donc là, progression du jeu 99%. Donc ça veut dire que j'ai adoré le jeu. Franchement, j'ai surkiffé. Je devais l'acheter à la base quand il est sorti le 29 juin, mais j'ai pas pu. Je reviens de vacances. Qu'est-ce que je trouve pas? Il est à 30€. Magnifique. Pour 30€, c'est un bon investissement. On s'amuse. Je l'ai fini environ en moins de 12 heures. Après, donc, je l'ai recommencé pour débloquer... Parce que j'ai fini le jeu comme ça, en fait, sans me rendre compte qu'il y avait des choses à faire à côté, hein, comme faire les photos, trouver les magazines, trouver tous ces machins, trouver les costumes. Donc après, je suis parti chercher les costumes, je suis parti chercher les pages de comics. C'est un truc que je vous montrerai après, là, quand on ira se promener un petit peu dans la ville. Donc je suis mort plusieurs fois, hein, comme j'ai dit, en mode super-héros, ça fait mal, mais ça permet de progresser assez rapidement. Donc j'ai quasiment tout, là, 100%, sauf l'équipe de sniper à neutraliser, ça se fait sur... à Manhattan, hein, quand on va se promener sur Manhattan, et le type d'ennemi photographié, c'est pareil, c'est quand on se promène à Manhattan, et j'ai fait les missions, en fait, parce que je faisais les missions annexes et secondaires, avant de faire les missions principales, donc j'ai éliminé les ennemis, et c'est en fait en finissant le jeu que je me suis rendu compte que je devais prendre des photos des ennemis, donc voilà, c'est trop tard, je peux plus prendre des photos de ces ennemis-là, parce qu'ils sont plus dans le jeu, parce que je les ai éliminés à 100%, Alors, c'est écrit là, normalement, c'est... chasseur détruit, voilà, j'ai tout détruit, les chasseurs et robot détecteur. Non, les chasseurs, c'est bon, j'ai, mais c'est les robots détecteurs détruits, j'ai tous détruits, en fait.
Et j'ai pas leur photo, mais voilà, bah c'est comme ça, c'est pas grave. C'est pas très grave. Voilà, donc je vous ai montré le menu, donc oh, en fait, hop, on s'en sert comme l'assaut, paf, on détruit le générateur qui crée un champ de force là qu'on peut pas traverser en tant qu'humain. Et en tant que mutant aussi. Voilà, paf. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Est-ce que j'ai parlé du gameplay? Bah voilà, le gameplay il est bon, hein, il est très très bon, franchement. Il y a pas à se plaindre, hein, pour ceux qui connaissent, hein, ceux qui ont joué à du Batman Arkham Asylum, du Batman Arkham City, du Assassin's Creed, c'est le même type de combat. Donc c'est pas nouveau, c'est pas innovant, mais ça fait super plaisir parce qu'on perd pas nos marques. On est là et on prend tout de suite du plaisir quand on joue. Vous voyez, il fait toujours de l'humour, Spidey, hein, il dit toujours des... Spidey, il est super drôle, j'adore, hein, c'est comme Iron Man. Hein. C'est des mecs qui sont super super drôles, qui ont toujours la petite boutade, qui font la blague qu'il faut au bon moment, qui font toujours ces petites remarques qui te font rire, voilà quoi. Et on ressent ça dans le jeu, c'est ça qui est super plaisant pour un grand fan comme moi. Bon, on va faire une élimination, double élimination directe, furtif. Allez, non, mais qu'est-ce qu'il me fait là, Spidey? Oh là là, je me suis trompé de touche, j'ai appuyé sur une touche qu'il fallait pas que je touche. Élimination furtive. Allez hop, les deux en même temps, c'est fini. Ça on débloque aussi, hein, plus tard dans le jeu. Une fois que vous débloquez ça, vous êtes au top. Parce que ça va beaucoup plus vite et vous faites moins vite repérer. Donc, je sais pas montrer trop le système de combat, mais bon, comme j'ai dit, hein, c'est un classique. Donc quand vous voyez les éclairs blanches, un éclair, les éclairs blancs sur la tête de Spidey, ça veut dire qu'il faut esquiver l'attaque avec triangle. Et si vous esquivez, si les éclairs sont rouges, il faut esquiver avec le retrait de toile, donc en appuyant sur R1 ou bon sur LB, je crois, sur je sais plus, sur ouais, ça doit être LB sur Xbox 360. Donc voilà. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur le jeu? Oh, ouais, la puissance de Spidey là. Donc voilà, ouais, mon seul regret c'est au niveau des costumes, qu'ils ont pas un atout spécifique, voilà. J'aurais aimé le fait qu'on puisse pas se mettre voilà, qu'on peut pas se pendre à sa toile, ça c'est dommage ça, franchement. Binox, on aurait pu mettre ça quand même, c'est Spider-Man quand même, c'est Spidey, c'est l'homme araignée. Voilà. Et aussi, ce que j'ai trouvé un petit peu dommage, ah j'aurais aimé, mais ça aurait été juste un petit clin d'œil, franchement ça aurait été pas mal, vu qu'en fait la ville est envahie par la suite par des mutants, donc des animaux, des créatures, des insectes qui ont muté grâce à de l'ADN humain. J'aurais aimé voir... T'étais détruit, toi? Prendre la photo, là, comme ça. Et ce qui est sympa, c'est qu'on peut prendre la photo, la sauvegarder et la garder. Voilà. Ça, c'est sympa. On a des petits comme ça, des petites faces comme ça, c'est sympathique. Voilà, on doit ralentir des choses comme ça. Ah, les magazines et les trucs à trouver, ça, ils sont assez... Il y en a, ils sont assez salaces quand même à trouver, hein. Ils sont bien cachés à des endroits pas trop mal, hein. En fait, pour les trouver, il faut bien écouter parce qu'ils font un bruit de scintillement. Un bruit de scintillement et on les trouve comme ça, en fait. C'est comme les pages, je vous montrerai après, là. Je vous montrerai après quand on va quitter la mission, puisque je veux pas aller plus loin, je veux pas... C'est juste pour montrer comment ça se passe à l'intérieur. Comme j'ai dit, 95% des missions se passent à l'intérieur. Oh, on va quitter tout de suite, allez hop, c'est parti. On va aller sur le menu principal, je vais vous montrer les bonus, tout ça. Donc 95% des missions se font à l'intérieur. Ouais, c'est dommage, mais bon, c'est pas trop grave en fait, vu que le jeu il est pas très très long. Bon, c'est pas trop dérangeant, vu que les combats de boss, bah des combats super épiques. Tous ces combats-là se font à l'extérieur, donc c'est pas un souci. Donc on va aller voir les bonus. Donc voilà. Là, on débloque toutes les biographies. Je sais pas qui est la biographie de qui, là. J'ai pas. Je sais pas qui c'est. Ça me stresse un peu. Donc, il y a Liguane, Félicie, Liguane. Aniguane, Nachi, la Vermine, les Malfrats, les Chasseurs, Stanley, Medelstrom, Hardy Harper, Tante May qui a rajeuni, les Malfrats, là, partout, voilà.
les comics que vous pouvez lire. Je les ai pas tous lus, puisque la plupart je connaissais déjà, mais ça fait plaisir pour les fans. Après, il y a les photos de croquis, hein. C'est les photos que vous débloquez en prenant regardez, c'est magnifique. Magnifique! Oh la vache! Non, parce que j'aime bien le dessin, donc les dessins, donc voilà. Oh la vache, ça c'est magnifique. Regardez-moi ça. Pop, 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 pop. Ça, j'aime bien les trucs comme ça, c'est super beau. Ah vache. Direction artistique. Voilà. Oui. Donc, je disais quoi? Donc, voilà, les croquis, tout ça. On débloque en prenant des photos des ennemis et des lieux. Voilà, donc moi, j'ai aucune photo chargée là. J'ai tout effacé parce que ça prend de la place sur mon disque dur, et puis voilà, et puis ça sert à rien. Ça sert à rien. Personnellement, ça m'a servi à rien. Donc voilà, on va retourner dans le jeu, on va continuer notre partie. Hop. Par contre, les temps de chargement, des fois, c'est assez galère. Oh non! Ah ouais, il recharge la dernière mission qu'on a faite. C'est pas grave, on va la quitter. Donc voilà, et en fait, ouais, ce que je vous ai dit, ouais, donc il y a une rivalité entre Alistair Smythe et Connors. Donc voilà, et tout part de là, et c'est tout un bordel, voilà. Et vous devez sauver votre ville. Donc on quitte le chapitre. Vous devez sauver votre ville. On va se promener un peu dans Manhattan, voir un peu comment la ville est modélisée, tout ça. Donc ouais, aussi j'ai pas pu vous montrer, mais peut-être est-ce que je vais faire cette mission, parce qu'en fait, ouais, on va, non, retourne ici Spidey, retourne, sois pas chaud comme ça. Ouais, je vais vous montrer deux minutes. C'est un truc sur le système de combat. La 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 la. Station de pompage. Ouais, station de pompage. Donc on va aller dans les égouts là pour se battre contre les personnes qui ont muté, contre les bêtes. Les mutants. Donc puisqu'il y a les humains qui ont muté. Et les animaux qui ont muté, les créatures, quoi. Les insectes, tout ça. Donc là, on va avancer. Ouais. Donc là, il y a une petite animation, comme ça, toc. On interagit avec l'environnement, paf. Voilà. Donc là, c'est la vermine. C'est un rat qui a muté. Voilà. Gladine humaine. Voilà. À un moment, on doit le poursuivre dans la ville et tout, on voit des rats partout, on doit suivre les rats en fait. Oula, faut faire vite parce que sinon ça va se refermer. On voit des rats partout dans la ville. On doit les suivre puisque ce sont ses potes, hein, et ils nous indiquent où il est. Et ça va, c'est pas trop mal. Donc ça j'ai adoré ça là. Parce qu'en fait c'est dans le film quand il attend Connors, quand il se transforme en lézard. Et voilà quoi. Et il utilise l'instinct de l'araignée pour retrouver ses ennemis. Donc là, je vais pas aller très trop loin là-dessus, là, je vais juste montrer un combat contre les humains qui ont muté. Donc les humains qui ont muté sont beaucoup plus résistants, donc je pourrais vous montrer le combo. Voilà, paf, 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 regardez ça, comment ça fait mal. Comme là, il est étourdi, on peut faire un coup spécial, voilà, paf, tac, excuse, hop, il a accroché au mur, au plafond. Et ça, c'est la classe. Et tu prends une petite... Attends, il y a le chargement, parce que quand il y a un petit chargement, on peut pas prendre... Ah, mais non, c'est joli. Fou, j'ai peur, je croyais que j'ai pas l'appareil photo. Voilà, vous pouvez prendre une photo souvenir, comme ça, hein, paf, vous prenez votre photo, ouais. Et vous la gardez sur votre disque dur, hein. Mais là, je l'ai pas sauvegardé. Donc voilà, je vais juste vous montrer, voilà, donc, si l'ennemi est résistant, vous pouvez faire de magnifiques combos, comme ça, et finir par un coup spécial. Mais là, vu que moi, je suis super puissant aussi. Donc quand je me bats contre des ennemis humains, ça fait ça les tue, ça les met KO assez rapidement parce que je suis surpuissant, voilà. Donc on va changer de garde-robe, on va mettre le costume noir parce que le costume noir c'est mon costume préféré. C'est un costume qui a trop la classe. Regardez-moi ça, bordel. Oh la vache, il est trop classe, Spidey. Bah je vous montrerai aussi les autres costumes, l'effet que ça fait. Celui-ci il est pas mal aussi, il est super stylé. Celui-ci, putain, celui-là est pas mal aussi, franchement. De toute façon, je les trouve tous pas mal parce que je suis fan de Spidey, donc voilà, celui-là il est franchement, celui-là
Il est au top, hein. Si vous voulez vous faire remarquer dans la nuit, il est au top, hein. Donc on va prendre le classique noir, on va faire une petite promenade dans la nuit, sur Manhattan, quoi, dans Manhattan, hop. Parce que en fait, quand vous terminez le jeu, vous pouvez choisir le moment de la journée. Voilà, nous on va aller en pleine nuit, parce que c'est beau gosse, parce qu'on peut se promener, il y a des lumières partout et c'est super joli à voir. Donc là, je vais vous montrer un peu le système de combat. Moi, franchement, j'ai été franchement plus que conquis par le jeu. Je l'ai vraiment apprécié, comme vous avez vu mes statistiques. Je suis à 99%. J'ai 599 pages. Et ce que je vous propose là, c'est qu'on aille chercher la 600e page et qu'on termine là-dessus. Donc voilà, j'ai apprécié le jeu. Franchement, il y a de l'humour. C'est Spider-Man. Après, graphiquement, j'avoue que graphiquement, les personnages autour, ils sont un peu en dessous de la réalisation par rapport au Spider-Man. Parce que Spider-Man, il est super bien fait. Il n'y a rien à dire. Donc voilà, en plus, ce qui est super bien, c'est que... Donc là, on a peut-être l'impression qu'il accroche sa toile un peu dans le vide, mais c'est faux, parce que... J'ai fait le test, en fait, j'ai survolé le... Comment ça s'appelle? J'ai survolé un lac au Tube Garden là, j'ai oublié. Attendez, c'est où déjà? C'est ici, hop. Tiens, il a écrit: un grand pouvoir entraîne de grandes responsabilités. Ouh là là, qui suis-je? Je suis Spider-Man. Donc voilà, ça c'est Manhattan, l'île de Manhattan. Voilà, paf. Ça j'ai déjà montré. Donc voilà. Ouais, une petite carte assez sympathique, hein. Moi je m'étais arrêté pour les Spider-Man à monde ouvert, je m'étais arrêté à Spider-Man 2 sur GameCube, que j'avais apprécié aussi. Le 1, bah le 1 restait quand même mon préféré, parce que voilà, il y avait le bouffon vert qui faisait des blagues comme Hicorico le furet. Voilà, il était super drôle, le bouffon vert, dans le premier Spider-Man. Franchement, il m'a fait trop triper dans le jeu. Donc je disais quoi? Ah ouais, je disais qu'il y avait un truc qui manquait, une petite dédicace là, un petit clin d'œil qui m'a manqué, parce que vous voyez, c'est des animaux qui ont muté là en fait dans le jeu. J'aurais aimé qu'ils mettent Savage dans le jeu. Savage, c'est un ennemi au début de Spider-Man, hein, qui c'est un chasseur qui a vécu en Afrique et tout, je sais pas qui oh, on m'appelle en plein truc là, c'est chaud. Ah, les gens, ils ont aucun respect pendant qu'on fait des vidéos. C'est pas grave, je répondrai plus tard. Donc, Savage, ouais, Savage le. Mais non, mais ok, hein. Non, non, mais je répondrai pas, je peux pas répondre. Donc, ouais, donc je disais. Oh la vache. Ah ouais, j'ai un téléphone qui fait beaucoup de bruit, c'est pas très grave. Donc ouais, Savage, j'aurais aimé, franchement, c'est le mec dans Spider-Man qui traque les animaux, quoi. Qui est là, c'est un chasseur et tout. Il renifle et tout. En plus, c'était dans Spider-Man, comment ça s'appelle? Dimension, c'était un des boss et tout, et c'était sympathique de se battre contre lui quand même. J'aurais pu le mettre qu'ils viennent chasser un peu les ennemis, je sais pas, en mission annexe, quoi, se battre contre lui, j'aurais apprécié. Donc voilà. Bon, après, il y a quasiment tout, il y a Rhino aussi dans le jeu, ouais, assez sympathique. Ah ouais, aussi, ce qui est dommage. Allez, hop, on va aller. Vous avez vu la ville, hein. On va aller à la Tour Oscorp. Hop. Ce qui est dommage aussi, c'est que en fait, putain, Spidey, c'est que, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, sur PS3, les DLC sont plus là. Voilà. En fait, je suis arrivé après les vacances, j'ai acheté le jeu, j'avais pas les DLC là, donc voilà. J'ai dit bon, je vais télécharger sur le PSN. J'arrive sur le PSN, pas de DLC, rien du tout. Ok. Pas de costume, à ce qui paraît, on avait un costume, le costume vigilant, là, où il est habillé normalement. Il est habillé en civil et il a une cagoule. Et il n'y avait pas, donc voilà, ils ont été retirés. Je sais pas s'ils vont être remis, mais ça c'est dommage quand même, parce que j'aurais aimé continuer le jeu quand même. Voir juste les DLC, voir ce que ça donne.
Ouais, graphiquement, la ville, elle est super bien modélisée. Après, il y a du clipping, hein, c'est normal, on peut pas. Voilà. Pour 30 euros, j'accepte. J'accepte le clipping. Ah, il y a une animation assez sympathique. Donc, quand on fait ça, on peut aller là, hop, comme dans le film, paf. Il se met comme ça, il regarde autour de lui. C'est franchement, on s'y croirait vraiment en mode Spidey avec la lune là-bas. Hop, c'est parti. Ouais, c'est dommage. Ouais, bon, bah, on n'y peut rien. Voilà. Après, donc, ouais, il y a des pages. En fait, vous avez des pages à attraper dans toute la ville. Hein. Il y a des pages un peu partout. Au début, bon, on les trouve comme ça en se promenant dans la ville. Et arrivé à un moment, il faut en trouver 500. Ça devient beaucoup plus galère. Mais j'ai trouvé une petite astuce. Hein. C'est en fait, dès que je commence, donc où j'en ai trouvé 300, je crois. Et je devais en trouver 200 pour arriver à 500. Et là, il y en a un peu moins de pages. Mais la petite astuce, c'était quoi? Je me promenais dans la ville, dans un coin précis, hein, n'importe lequel. Donc, je trouvais des pages. Et en fait, dès que je trouvais plus de pages, je quittais la partie, je la rechargeais. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que certaines pages réapparaissaient au même endroit. Et voilà, après quand on a trouvé les 500 pages, en tout en fait il faut en trouver 700. Et une fois avoir trouvé les 500 pages, donc là vous voyez là-bas, ah, Spidey il est parti où là, je me suis trompé de touche, Spider-Man. Ah ouais, je vous montre un truc assez sympathique aussi. On peut monter en courant là, Spider-Man. Ah, il y a aussi les reflets de la ville en pleine journée sur les vitres des buildings. Mais ce qui est dommage, ce que j'ai regardé, c'est que si vous voulez, il y a des hélicos. On peut s'accrocher sur les hélicos comme dans... Ah, j'adore quand ils sont en position comme ça. Comme dans Arkham City. Ils se promenaient autour des villes. Et ça, c'est sympathique. C'est, ça vous permet de voir aussi les pages que vous pouvez pas voir. Donc l'hélico est pas mal. Donc, ouais, on a les reflets de la ville sur les gratte-ciels, sur les buildings, mais ce sont pas les immeubles qui sont en face. Voilà, c'est ce que j'ai remarqué. On n'a pas le reflet de Spider-Man aussi. Donc, je vais vous montrer qu'on peut s'accrocher à l'hélico, là, paf. On va faire un petit tour comme ça, et je vais vous expliquer ce qu'on pouvait faire, en fait. Parce que là, j'ai tout terminé, en fait, à 100%, donc je peux rien vous montrer à ce niveau-là. Donc, on avait des courses-poursuites, on devait attraper une voiture... une voiture avec des malfrats. On avait... oula, ça fait 41 minutes. On avait... ensuite, on avait... donc, il y a des équipes de snipers qui vous tirent dessus. On avait quoi comme mission? On avait des missions secondaires dans des... dans des entrepôts, tout ça, pour récupérer des informations. Et on avait quoi d'autre? On avait des courses à faire avec un dirigeable. Des courses et des petits défis. Voilà. Et puis voilà, il y avait que ça. Bon, moi j'ai tout fait d'un coup, c'est pour ça qu'il n'y a plus rien, j'étais tellement à fond. Et après, il y avait des malades à sauver, des trucs comme ça. C'est sympa, il y a un terrain de baseball, il y a un terrain de foot, il y a un terrain de... je sais plus quoi, de basket et tout, il y a plusieurs terrains. Ça, c'est sympathique. Donc voilà. À un moment, j'ai cru qu'on pouvait aller jusqu'à la Statue de la Liberté, hein, mais on peut pas. Parce que dans le 2, on le pouvait. Voilà, donc là on fait le tour comme ça. Il y a des hélicos dans chaque zone, désolé. Donc voilà. Après, donc comme j'ai dit, il y a du clipping, hein, vous voyez par vous-même. Bon, c'est pas un clipping qui est dérangeant en soi, parce que ça vous empêche pas de jouer. Donc l'intelligence artificielle, bah, en super héros, ça va, ils se débrouillent pas mal, mais bon, ils sont un peu neuneux quand même. Hein. Bah, j'ai pas trop vu, puisque vu que j'ai fait quasiment que de l'infiltration, ils ont pas eu le temps de réagir, on va dire. Niveau des musiques, c'est les musiques du film, donc c'est des musiques épiques, on se croirait vraiment être Spider-Man. Et ça, c'est vraiment, vraiment très bon. Donc, ouais, une fois que vous avez les 500 pages, vous avez, si vous voulez, vous avez, hop. Vous avez, sur le radar, en fait, les autres pages qui apparaissent en jaune. Là, vous voyez, il y a une page là qui apparaît en jaune, là. Sur mon radar, et vous pouvez aller rechercher. Donc elles apparaissent que quand vous êtes à côté, en fait. Voilà. Et voilà, donc après, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ouais, ce que je trouve dommage aussi, c'est que, comme je l'ai dit là, en fait, on va aller voir vite fait, dans les améliorations de personnages ou des améliorations techniques, ils auraient pu nous mettre le sens de l'araignée à 360 degrés.
Je m'explique, qu'est-ce que c'est le sens de l'araignée à 360 degrés? C'est lorsque Spider-Man, tout se fige autour de Spider-Man, il a une vue d'ensemble du dessus, et il voit à peu près où sont tous les ennemis, pas les ennemis, mais tout ce qui bouge autour de lui. Voilà, ça j'aurais aimé, franchement. Surtout pour trouver les pages. Si vous voulez, il a le mouvement de tout ce qui tourne, de tout ce qu'il y a autour de lui. Ils auraient pu mettre ça sur un rayon de 200, 300 mètres. Pour avoir une vue d'ensemble de l'endroit. Voilà, il le fait dans le film. Il fait ça dans le film, là, dans le film de Sam Raimi, là. Il le fait quand il se bat contre Flash. Dans le film, le premier film. Où il voit tout autour de lui. Non. Quand il se bat contre Flash. Ou quand il voit la mouche passer autour de lui et tout comme ça, tout de fou, quoi. Donc, allez, on va s'arrêter là, hein. Bon, pour moi, c'est un bon jeu. Un bon jeu pour les fans, un bon jeu pour passer du temps à 30 euros, franchement, ça les vaut. On s'amuse, il y a du combo, il y a de l'humour, il y a du Spidey, il y a des costumes, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire, qui sont répétitives, mais bon, c'est comme ça dans ce genre de jeu. Alors on va t'attraper, on va utiliser la vue. Donc cette vue là elle est bien parce qu'elle ralentit le temps. Regardez, hop, elle ralentit le temps pour Spidey qui peut se mettre. Je sais pas montrer les acrobaties, putain. Ah c'est chaud là, c'est chaud. Si vous voulez en fait vous pouvez choisir. Alors je vais vous montrer vite fait. Hop, on peut partir là. Allez, saute Spidey. Oh Spider-Man. Si vous voulez, hop. Donc il fait ça. Hop, voilà. Voilà, pour l'instant, c'est juste que je voulais montrer. Et ça, c'est super bien, parce que c'est super bien animé, c'est super joli, quoi. Il se sert du décor pour se mouvoir, et c'est super, super bien. Vite. Allez, on y va. On va s'arrêter là, j'ai plus rien à dire. À part que c'est un très bon jeu. Un très bon jeu pour moi, un très bon jeu pour passer du temps, un très bon jeu pour s'amuser. Et un très bon Spider-Man. Oui. Pour trouver les pages, vaut mieux aller la nuit, puisqu'en pleine journée, vu qu'il y a du soleil, elle brille pareil. Et c'est galère à les voir. Voilà. Hop, allez Spidey. Elle est où notre page là? Elle est où notre page? Je l'ai perdue. J'ai perdu la page. Spider-Man. Oulala. Elle est partie où la page? Elle est là. Donc on va la chercher. Et on se finit sur ce magnifique acrobatie. Et on se laisse jeter dans le vide. Ah, oh, Spider-Man! Et voilà. J'ai toutes les pages, j'ai terminé le jeu. J'ai complété le jeu, voilà, c'est terminé. Ah, je suis content. J'ai eu mon trophée. Donc, on se dit à une prochaine fois sur une autre vidéo. Salut!